Mountainous areas in the European Union account for around 15% of the Union's total agricultural land and 18% of the agricultural labour force. Spain, Italy, France and Romania have the largest coverage of mountain areas. And other countries like Austria and Greece also contain sizable proportions of mountainous farmland. Mountainous rural areas are an important asset for the European Union. They provide essential public goods and quality products. Their potential for innovation is important because this helps mountain communities to continue to tackle the harsh natural conditions that they can face. The Common Agricultural Policy helps farmers in mountainous areas to work with natural handicaps, like altitude and steep slopes, through many measures under both the first and the second pillar. It's important to note that mountain areas in the EU are very diverse and that support from the Common Agricultural Policy can be tailored to meet the specific needs of specific mountain areas. A one-size-fits-all approach is not a good recipe for effective rural development in mountain areas. La politique de développement rural continue à aider les montagnes à développer leur attractivité à la fois en tant que lieu de vie où il fait bon habiter et en tant que lieu aussi où on peut avoir une carrière, quoi, notamment pour les jeunes. Les montagnes offrent une grande diversité d'activités économiques, que ce soit dans le domaine de la bioéconomie ou des ressources naturelles ou énergétiques qui sont présentes en grande quantité. Et du point de vue alimentaire, les produits de montagne sont aussi tout à fait spécifiques. Et d'ailleurs, l'Union européenne a décidé de mettre en place, à partir de janvier 2013, un schéma de qualité européen propre à ces produits de montagne. Nos montagnes sont aussi, bien entendu, appréciées par les citoyens européens comme des destinations touristiques d'excellence et comme des réservoirs à la fois de biodiversité et des lieux où on bénéficie de paysages absolument magnifiques. Ceci étant dit, beaucoup de zones de montagne sont encore très isolées des marchés et ont tendance à dépendre beaucoup trop fortement de la production primaire ou du secteur public. L'agriculture dans ces zones de montagne reste cependant une activité très difficile et le dépeuplement associé au déclin des services dans beaucoup de zones constitue à représenter une menace très importante pour beaucoup de communautés de montagne à travers l'Europe. Donc la politique de développement rural, quand elle soutient l'agriculture et la forêt, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'économie montagnarde qu'elle soutient. Et donc cette politique de développement rural, elle peut permettre à ces territoires de devenir plus attractifs pour les investisseurs, pour autant que la qualité des services, l'accessibilité, la connectivité soient suffisantes pour répondre aux attentes des habitants et des entreprises. Entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, España es posiblemente el que más superficie de agricultura de montaña posee. Concretamente, en el caso del País Vasco, el 85% del territorio de nuestro país es territorio de montaña. De ahí la importancia que históricamente desde el PDR se le ha dado a aquellas medidas que favorecen una ligazón de la agricultura al territorio. Entre estas, las medidas agroambientales o las medidas de compensación, de las indemnizaciones compensatorias de montaña, las ICM, son especialmente importantes en explotaciones como la que nos encontramos en este momento, por ejemplo, Arreta, donde las condiciones de altitud dependiente hacen difícil competir con explotaciones en fondo de valle o en llanura. Las medidas contempladas dentro del PDR para este tipo de cuestiones, para todo lo que es comercialización y generación de calidad, son especialmente importantes para la diversificación de las explotaciones de montaña. Pero si queremos un medio de montaña vivo, las medidas en favor de la agricultura no son suficientes. No haríamos nada si mejoramos la situación de los agricultores, pero mantenemos una situación de su entorno poblacional y de su entorno social en malas condiciones. Por lo tanto, son fundamentales las medidas del enfoque líder dentro de los planes de desarrollo rural de cara a mejorar esa calidad de vida
y a desarrollar servicios y equipamientos en las zonas rurales, y concretamente en nuestras zonas de montaña. For further information about the EU's Rural Development Policy support to mountain areas, connect with the website of the European Network for Rural Development.